On est parti pour un Kog'Maw AP. Alors pour le coup j'ai jamais joué Kog'Maw AP First Strike. Donc là j'ai joué First Strike pour First Strike, si vous savez, c'est quand vous touchez l'adversaire pour la première, enfin en premier, vous gagnez des golds. Sauf qu'on est un range, on gagne évidemment moins d'or, etc., etc. On va essayer de lui cracher dessus. Alors le E de Kog'Maw est pas mauvais, c'est un bon sort. En vrai je trouve que le hitbox est vraiment large, la vitesse du projectile est rapide. Kog'Maw AP a été un peu buff il y a je sais pas combien de temps, peut-être je sais pas combien de temps exactement, mais de base le R avait une range éclatée. Ah il va me casser les couilles avec tous ces traps par contre lui. Oh, il va me faire trop chier avec tous ces traps par contre. De base le R avait une portée vraiment pourrave avant level 16. Et level 16 c'est très tard. En fait c'est un peu l'ancienne Kayle, je dirais, Kog'Maw AP. Mais en moins fort quoi, du coup bon, par contre quand même, trap a peut-être un peu moins de ma tour là. Merde putain, je lui ai donné un headshot, je suis vraiment une merde. Ah, il me fait un peu chier en vrai, hein. J'avoue il me fait un peu chier. 2 CS d'avance pour lui, bon c'est fine. Dans le sens où je pense que j'ai un meilleur perso la game que lui. Enfin c'est même plus ou moins sûr. Ok, mon jungle est mort mais au moins il est pas mort par la Caitlyn, ça me va. Je demande juste qu'il crève pas par la Kate. Comme build, alors j'ai pas trop réfléchi à quel build on allait faire. Ce qui est sûr c'est que je fais Ryleigh, ça c'est certain à 150 000%. Je pense que Ryleigh c'est fort. Mettons un petit spell, on va gagner la rune. La rune va pas lui donner beaucoup d'argent pour l'instant, 10 gold peut-être ou un truc comme ça. Combien de mana? 70. Ok, ouais, je l'ai eu, j'ai tellement chaté en vrai. Je pensais que je l'avais pas, hein. Je vais pas mentir. Le problème, c'est qu'il est level 3, donc c'est terrifiant. Un jungle level 3, je vous avoue, ça fait peur. C'est pas que je voulais pas l'aider, c'est juste que c'était pas facile. Je vais faire un build clairement de gros bâtard, mais je vais commencer par les HP, les refs. Parce que l'AP va pas me changer tant de trucs que ça. Et on va juste essayer de pas mourir pour l'instant. Luden, il faut de la move speed. Je vais faire Ryleigh first. Il a pris une plate. Il y a un monde dans lequel on a le temps de bounce back. Je saurais pas trop dire si là j'ai le temps. Faut pas qu'il trouve un très bon back. S'il trouve un trop bon back, ça serait chiant. Donc là, faut qu'on écrase les creeps sous la tour. J'ai pas eu les CS, mais j'ai eu l'XP, c'est déjà pas mal. Oh merde. Ça, c'est pas bon, pardon. Hein. 25 gold. Bon, dommage, il m'a un peu empêché de pusher parce que moi, mon but du E, c'était de pusher cette bague là pour que ces creeps là, les creeps que je suis en train de fight, s'écrasent. Donc là, il m'a un peu fait chier avec sa Lilia. Mon but, c'était de tuer ces creeps là avant qu'il arrive. Comme ça, j'aurais. Là il va quand même récupérer un petit peu. Mana Floban, est-ce qu'on est stacké? Ah je joue pas Mana Floban dans cette game. Oh merde. Alors c'est pas une bonne nouvelle, ça va rentrer. Alors on va peut-être faire une tire du coup. Il manque 20 gold là. Oh bordel de merde. Ouais c'est ultra manavore le perso. Mais avec Mana Floban je pense qu'on peut tenir, mais c'est vrai que j'ai joué sans là. Croyez-moi on aura notre revanche. Pour l'instant il met la pression parce qu'il a un petit peu l'avantage. Encore que je pense que je suis plus utile sur un gank que lui en vrai de vrai. Je pense qu'il a pas un bon perso pour aider un gank. J'aime vraiment pas ce que tu fais mon ref là. Non. Oh me flemme pas Enzo. Enzo du 94, me flemme pas frérot, t'abuses. Là il a osé me trash talk là. Oh ça dégoûte un peu hein. Ok, c'est game. Ah ça va être compliqué, hein. Je vais pas te mentir que ça va vraiment pas venir. Hein. Par contre si le jungle en face se suicide sur la ligne deux fois, ça me va en vrai. Ah non, il me met un herald, ok nickel. Ah bah cool. Oh non. Oh là là. C'est pas grave, en vrai c'est gagnable encore, je vous assure. On a Kog'Maw AP. Le seul problème c'est que vous avez ça, je vous ai dit, en plus vous comptez pas Kog'Maw AP, bah c'est exactement pour ça. C'est que c'est pas un perso qui peut. Tu peux pas faire des moves. Mais frérot, jamais tu le tues. Hein. Bon, la bonne nouvelle c'est que s'il meurt, il donne des golds. La mauvaise nouvelle c'est comment le tuer quoi. Et je le gosse, hein, rien à foutre. Ah, j'ai un bon E. Ah, mon E est magnifique. Oh non, ça m'a touché, c'est le vraiment tristesse, on va rentrer. Ça donne la vision ça. Non il va avoir le kill. Non s'il te plaît pas la bombe. Non. Non c'est pas possible. Ma vie c'est de la merde. Je t'ai baisé mon ref. Je vais pas vous mentir, je suis très 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 triste. Alors qui a les shutdowns encore? Oh ils en ont plus. Ils ont plus de shutdowns à part la Caitlyn. Oh là 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 là. Quel cauchemar. Bon c'est pas une bonne nouvelle hein. Vous l'avez compris je pense. Allez, allez. Oh oui. Mais oui. Mais oui. Let's fucking go. J'ai le droit au bonheur, j'ai le droit au bonheur. On a le droit au bonheur. Là on est level 11, on commence à faire des dégâts les gars en vrai. Franchement je donne tout dans cette game, hein. Vraiment c'est terrible. Hein. Franchement j'ai failli le flash. Hein. Je vais pas vous mytho, on est tellement désespéré que... C'est quoi, vas-y nique sa mère, franchement je suis prêt à mourir. Tue-moi si tu veux. Mais vas-y, il me faut des kills là, c'est bon, on se fait troll de fou. En vrai, on fait vraiment le café, un autre jeu. Le positionnement est bon, on se bat, on se bat. Après vous avez un meilleur scaling. Alors, oui, mais bon. Là je pense qu'on n'est pas là. Oh je l'ai tué. Elle avait un shutdown. Let's go!
Oh, j'ai eu tellement peur que la Shyvana le touche, parce que si elle le touche pendant qu'il est en forme de Renata, elle va récupérer les 1000 gold. Ah non 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 non. J'ai pas joué Kog'Maw AP pour pas profiter de ce moment. Piou 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 piou. Et voilà les Legendary. J'ai plus mal, il m'a pris bleu. T'inquiète t'inquiète, le prochain je le snipe ce bleu. Oh let's go, let's go. Ok, on est là, on est là, on est là. We have Archangel Staff, my friend. Let's go, let's go. Il y a un prochain item, mais Jai. Je sais pas si je vais faire les bots en vrai. J'aimerais faire les bots de PNM magique, mais je me dis. J'ai l'impression qu'on va être trop vite full stuff là. Que je vais vraiment leur faire mal. Hein. Je leur fais déjà mal, mais je vais vraiment leur faire mal. On donne tout, les refs, on donne tout, on donne tout. Bon, Enzo, il veut plus se render. C'est déjà pas mal. Je vais prendre les chaussures d'abord, avant mes Jai, je pense. J'ai envie d'avoir mes Jai, mais là, ça va être chaud. Ah, j'ai pas de mythique. Oh, j'ai pas de mythique, ça merde la pute. Pardon, les gars, j'ai pas de mythique, j'avais pas fait gaffe. Oh, j'ai pas de mythique et j'ai fait mes. Oh, l'Archangel Staff avant le mythique, c'est terrible. Oh, désolé, j'avais pas fait gaffe. J'ai pas de mythique, oh, bordel de merde. J'aurais dû faire en deuxième en vrai. Juste après le rail. On va faire Protobelt ou Luden les gars. Je sais pas c'est lequel le mieux en vrai. Est-ce que je considère que je manque encore de mana? En vrai oui, je pense que je manque encore de mana, c'est ça le problème. Donc je pense que je vais quand même faire Luden. J'ai bien envie de faire Protobelt pour pouvoir être plus safe. Et oubliez pas les gars, mon level 16. Level 16 c'est la grâce hein les gars, level 16. Dites-vous que le perso a été buffé level 11, donc maintenant level 11 il est pas à chier alors qu'avant il était trop nul. Mais il est quand même pas godlike hein. Plus qu'un level et demi les gars. Je suis vraiment une Kayle hein. Je suis une Kayle en moins fort quoi. Encore une fois je vous conseille pas forcément le champion parce que c'est vraiment pas le meilleur perso pour solo carry mais. Oh putain. Bon j'ai gosse là, j'ai quand même un peu peur. Il y a quand même un monde dans lequel ça se mal et j'ai pas le droit de mourir je pense, sinon ils vont vraiment nous mettre mal. Ah la connasse. Dommage, je lui fais mal hein, quand même, hein. Mine de rien. Allez touche-le. Non. Oh je t'avais préparé le kill frérot, là je te l'avais mis, je te l'avais emballé dans un papier cadeau. Il y avait plus qu'à toucher quoi. Ouais Shogat, c'est grave wesh, c'est de base ça. C'est trop. C'est trop putain. Oh il abuse gros. Bon j'ai quand même des dégâts sur Shogat en vrai, mon Z lui fait mal. Mais bon, tout un latif évidemment hein. Oula. A l'aide. Side step. Il va meurtre ce connard hein, c'est sûr hein. Oh, oh non j'ai flash. Oh merde. Bon je l'ai tué après ma mort, c'est déjà ça. Ah j'aurais pas dû flash. Oh putain il m'a fait mal. Ah oui c'est vrai, c'est le carry, c'est pas le support. La dernière c'était le support encore. Faut pas que Zeline mette son ulti sur la Shyvana. No offense pour Enzo mais on l'aime bien Enzo hein, on l'aime bien, on l'aime bien. Il est pas très sympa mais on l'aime bien quand même. Mais l'ulti Zeline sur lui c'est pas une bonne idée je pense. Très honnêtement. I think it's not a good idea. T'es chiant toi mon ref, hein. Sache-le. Ok les gars, je suis bientôt level 16. Le seul problème c'est que souvent quand t'as un level 16 c'est un peu les problèmes. Les prochains dragons c'est l'Elder Dragon. Autant vous dire que j'ai pas trop envie qu'il l'ait. La mauvaise nouvelle c'est que notre jungle c'est Enzo. Sans vouloir paraître méchant ou quoi. Mais je lui fais pas confiance de fou quoi. Ah oui. Allez fils de pute. Allez. Bon là je peux rien faire en vrai hein. Désolé mais là je peux vraiment rien faire. Ok il manque 900 gold les gars. 900 gold pour idéalement les avoir avant les deux dragons. En fait il faudrait que j'ai mon 16 et mon mythique juste avant les deux. Mais ça on va jamais pouvoir les cliquer aux autres donc il faut qu'on joue en conséquence. Ok il manque combien? Il manque 500 gold. C'est deux vagues en vrai hein. Dans deux vagues je l'ai. Le problème c'est que dans une vague il spawn. Oh non. Oh oui. Oh oui l'XP. Bon c'est terrifiant par contre là ce fight là est terrifiant. Si on avait eu un dragon ça aurait été vraiment pas mal. Ok ils ont fait Nashor en plus, ça fait pas bien, pas plaisir mais tranquille. Les dégâts sont pas colossal mais ça fait quand même mal. Oh je te crache dessus. Bien sûr. Quand le mec a moins de 40% d'HP les gars il prend deux fois plus de dégâts. Donc quand le mec a moins de 40% ça lui fait super mal. Mais tant qu'il a pas moins de 40% c'est pas ouf. Il faut qu'un allié nous aide. J'ai plus de mana. J'ai plus de mana. Nique ta mère. Nique ta mère. Et son dragon. Je suis dans Skyrim putain. Allez. On court, lui on peut pas le tuer. Ok on temporise. Bon la bonne nouvelle c'est qu'il est quasiment full stuff. La mauvaise nouvelle c'est que moi aussi. Mais j'ai quand même pas le meilleur perso pour tuer un mec qui a 6400 points de vie. Faut que je laisse le kill à Jin. Il va vouloir me faire ce con. C'est ciao. Shut down sur la Shyvana, tu te fous de ma gueule. Non c'est pas possible, on se fout de ma gueule genre. Pitié. J'aurais plus de mana. J'aurais plus de maman qui crève je pense. Non. Oh là là. C'est si dur. Ils tankent un peu beaucoup hein. Ok ils font l'elder, 100% ils font l'elder. J'ai pas beaucoup de mana. A l'aide. Ils l'ont poulé, oh là là. Oh non l'elder est mort. Oh non, bordel. Allez, un Nether de moins. Let's go to Yard again.
140 gold j'ai gagné sur un distance hein. On se bat les gars, on se bat. La putain de sa mère, on se bat. Le problème c'est que là je peux pas changer grand chose. Je peux changer ça. Les gars, je fais quoi? Je fais Medjay ou je fais Void Staff? Je pense que Void Staff c'est mieux, mais je pense que j'aurais pas le temps d'avoir Void Staff et ils vont sûrement gagner avant. Void clairement. Et en vrai si j'ai pas de Void, je vais jamais tuer le tank. Mais le problème c'est que le tank va quand même pas craindre le Void. C'est ça le pire, c'est que le Void va pas m'aider sur le tank. Pas beaucoup en tout cas. Là, il faut que j'arrive à tuer des gens les refs pour qu'ils ne puissent pas push et finir. C'est bon, il est mort. Par toi, il est mort. Je l'ai vu. Oh non. Oh putain de sa mère. Dommage. Ok c'est bien. En vrai on l'a mis le HP et du coup on la force à back. Oula, par contre ça c'est. C'est pas une bonne idée ça. Oh bordel. Non. Reste-moi s'il te plaît. Non. Ah si je reste. Oh fils de pute. Non. Ok tu me restes encore. Oh dommage. Oh non. Oh putain sa mère. J'ai voulu bait sur moi en plus pour sauver le jean. Et j'ai sauvé le jean mais je suis mort du coup. Non. Hold the lines. Aïe. Et c'est GG a priori mesdames et messieurs. Il s'amuse. Notre inhibiteur mine ne respawnera pas. Oh là, la Lilia elle veut finir hein. Crash la Lilia dès que je spawn hein. Je vous le dis tout de suite. Je me suicide pour la tuer hein. J'en ai rien à foutre. Ah non. Hold the door. Oh là là. Bon la game était incroyable mais oh merci. Ok le grand pomp m'a dit bien joué. J'apprécie. On s'est battu mais putain c'était dur hein. C'était difficile hein. Le Shogat était un peu dur à gérer, faut pas se mentir. J'avais je pense 600 000 stacks bâtard.